overall, this track is unusual, shall we say. It's not going to be my favourite race, I wouldn't have thought, but it's the same for all the riders, it's the same for everyone, so we've just got to get on with it and do the best we can. I think this track is strange in a way that it's very hard underneath. It looks really soft and pretty on top, but it can be quite vicious underneath, and I think you need to pay attention to that, and especially with the trees, it's a little bit like Saint-Léger and years before. So yeah, you just need to take maximum attention on getting to the finish line. La piste se défonce vraiment vite au motocross, les bois sont très techniques, la piste amateur est très molle, donc c'est vraiment intéressant, il y a trois surfaces complètement différentes et ça va être... celui qui gagnera l'épreuve ici sera costaud déjà. Yeah, I think you have a little bit of pressure with the red plate, but for me, I think it's positive pressure. I'm happy to have it, and I'm proud to ride with it. I understand the consequences with it. I'm not stupid, so I want to ride the best I can and just keep on enjoying the races and keep on learning. Right, just calm to the finish. C'est vrai que j'étais un peu frustré de ma course à Loun, non du résultat. Deuxième, c'était pas le problème, c'est de pas avoir pu rouler. Les 2h30 en attaquant du début à la fin. Donc là, c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est de faire la course du début à la fin vraiment dans le rythme. Et après, on verra où on se situe. 8 secondes, t'es en tête, t'as 8 secondes d'avance, c'est Yentel 2. C'est super, tu roules super bien. Tu changes rien, c'est parfait. Mathilde Denis fait le championnat complet. Je trouve ça vraiment bien de la part d'une féminine de le faire. Et elle prouve que c'est pas le cas en se plaçant vraiment bien au scratch, donc non, on voit qu'elle progresse au fil des courses et c'est bien qu'elle le fasse, que c'est vraiment des courses costauds, donc ça lui fera passer un cap pour sa saison terre. Les objectifs sportifs dans ce championnat, c'est bien sûr d'avoir la première place féminine, ensuite c'est essayer de faire le mieux possible aussi avec les garçons, et j'aime bien l'idée de partir, être toute seule sur la piste pendant 2h30. Après j'ai remarqué que depuis la course de Loun, j'ai vachement progressé dans le sable, parce que ça crée des petits déclics. Et je pense que ça va m'être très utile pour ma saison après en motocross. Je m'attendais vraiment à une course difficile, ça a été le cas avec les trois surfaces différentes. La piste motocross, vraiment beaucoup de petites roues très techniques. La piste amateur, des grosses vagues vraiment en mode le touquet. Et les bois très techniques à la Saint-Léger graillant, donc je me suis vraiment régalé. J'ai réussi à facilement m'adapter à la piste et au final, dès que j'ai pris la tête, j'ai réussi à creuser l'écart et partir à chaque tour. Donc vraiment une victoire parfaite. It was a really difficult race. I made an average start. I think I was in fourth, which was quite nice. I was just flowing and getting into the race, but I soon realized it was going to be a tough race with the amount of traffic and the amount of bumps. So I settled into a good pace for me, but Milka was the stronger man today. Bah oui, franchement, je suis contente parce que c'est des courses très compliquées, donc déjà il faut aller jusqu'au bout parce que il faut pas avoir des pépins mécaniques, etc. Essayer de pas tomber et donc gagner la catégorie féminine, donc c'est très bien et la course, ça s'est bien passé, très dur physiquement.